Marcel. Donc c'est l'élevage d'Olivia, bien sûr, et Alex Roussel. Le numéro 3041, présenté donc par Olivia Roussel, un fils de Bugs Boom et Vakina. Donc c'est une... Tout à l'heure on avait une nièce de Sirnaïm, là on a un neveu. Puisque Olivia Roussel a la chance d'avoir deux sœurs de Sirnaïm, Betnamix, qui avait gagné, donc monté par Alex, entraîné Laurent Viel ici, et Vakina, qui elle a gagné le prix des ouvres à Clairefontaine. C'était Alex qui montait ou pas, je ne sais plus. Ça, c'est un obstacle, évidemment, à Clairefontaine. Vakina, la mère, donc par Arvico, et qui nous propose ici ce fils de Bugs Boom, né, je ne l'ai pas dit, pardon, le 27 avril. Le 27 avril. Voilà, donc Bugs Boom, le père de l'album photo, le père de Duc des Genièvres, qui en mars 2019, Bugs Boom, a connu un instant de gloire extraordinaire, puisqu'il a été le père de... On va marcher, Christo, s'il te plaît. Sur le steeplechase de Cheltenham. On va marcher, Christo, s'il te plaît. C'est bien ça, Duc des Genièvres, c'était à l'Arcueil. Oui, on va pouvoir marcher, bien sûr, allons-y. C'était l'Arcueil sur le steeplechase, et l'album photo, c'était la Gold Cup, l'épreuve reine de Cheltenham, le grand steeplechase d'Angleterre, pour ainsi dire. Voilà, donc Bugs Boom, c'est la montre à Radenki chez Estève Rouge-Varger, en Vendée, tout d'abord dans l'Allier, et puis désormais près de Noirmoutier, en Vendée, où il a déménagé il y a 3 ans. Voilà, le poulain de Bugs Boom et Vakina, enfin Arvico, Vakina gagnant dans l'obstacle, sort du champion Sirnaïm. Et qu'on va voir désormais au pro, donc Christophe va plus que le lâcher. Et Olivia, qui va nous donner ça d'un bon pied et d'une bonne jambe. Pour qu'on voit en action, voilà. Là c'est l'allure parfaite, comme ça on a la chance de pouvoir voir le poulain au pro. Le neveu de Sirnaïm par Bugs Boom, né le 27 avril, c'est le lot 41, présenté par Olivia Roussel.